Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un cours que nous allons étudier ensemble. Un cours sur le Check Back Stemann. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être oui pour certains, pour d'autres pas trop. Ben justement, on va voir ce que c'est. Alors, le Check Back Stemann, c'est une espèce de Stemann. C'est un Stemann particulier pour checker, pour vérifier après, hein, pour vérifier après ce qui se passe dans ce genre de séquence. Ouverture de un trèfle, réponse de un carreau, 200 atouts chez l'ouvreur. Ouverture un trèfle, un cœur, 200 atouts chez l'ouvreur. Un trèfle, un pic, 200 atouts chez l'ouvreur. Un carreau, un cœur, 200 atouts chez l'ouvreur. Un carreau, un pic, 200 atouts chez l'ouvreur. Et enfin, un cœur, un pic, 200 atouts chez l'ouvreur. Dans tous ces cas-là, c'est la même chose. Il y a une réponse à la couleur en 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1. Une redemande à saut à 200 atouts chez l'ouvreur. D'accord? Et donc, on s'intéressera maintenant aujourd'hui à la réponse à la deuxième enchère de Nord, hein, du partenaire de l'ouvreur. Alors, quelles sont les particularités de cette enchère de 200 atouts dans cette séquence, bien sûr? Dans cette séquence, l'ouvreur, donc, jump à 200 atouts après une réponse 1 sur 1 à la couleur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait de la main de l'ouvreur? On sait qu'il a une main régulière. D'accord? Il a une main régulière. 18 ou 19, s'il avait eu 15, 17, une main régulière, il aurait ouvert de 1 à la couleur. S'il avait eu 20 ou 21, il aurait ouvert de 200 atouts, donc il a entre les deux. Il n'a pas 15-17, il n'a pas 20-21, il a 18-19. On sait aussi, ça c'est très très important à s'en rappeler, qu'il n'est pas fité dans la couleur du partenaire. Hein. Si vous dites un trèfle, je dis un cœur, vous dites 200 atouts, vous n'avez pas 4 cartes à cœur. Vous n'avez jamais 4 cartes à cœur. D'accord? Il n'est pas fité. Voilà le genre de main avec lesquelles il faudra dire 200 atouts après avoir ouvert de 1 à la couleur. Un trèfle, mon partenaire dit un cœur ou un pic, je dis 200 atouts. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 points d'honneur. Pareil ici, 4 et 4, 8, et 4, 12, 13, 14, 15, 18 points d'honneur. Dans toutes ces séquences, il faut que je redemande 200 atouts après la réponse en 1 sur 1 de mon partenaire. Hein. Un trèfle, un cœur en l'occurrence. Avec cette main-là, je ne pourrais pas dire 200 atouts puisque je serais fité à pic s'il avait répondu un pic. Bien. Donc, à toutes ces mains, on dit 200 atouts. Donc, on peut avoir une couleur cinquième qui peut être moche, etc. Tout est possible. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a des mains où on a le même genre de main, mais on ne dira pas, 200 atouts. Celle-ci, par exemple. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ben oui, j'ai bien envie de dire 200 atouts, mais attention, je suis fité. Il a dit un cœur. Eh ben, je dis 4 cœurs. 4 cœurs, ça veut dire une main régulière de 18 ou 19 points d'honneur. Avec cette main-là, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 HL. On a une très belle main. On va plutôt dire deux pics, on va dire deux pics, qui décrit bien mieux la main. Ça veut dire j'ai 5 trèfles, j'ai 4 pics dans une main d'une vingtaine de points. D'accord? Ça correspond beaucoup mieux. Avec cette main-là, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, une belle couleur cinquième, des 10, c'est là où on va faire comme si on avait 20 points, on l'ouvre de 200 atouts. Hein. Comptez bien ce genre de points de plus pour ouvrir de 200 atouts. C'est beaucoup plus confortable de 200 atouts en termes de développement, on sait mieux ce qui se passe. Au niveau de la paire, c'est plus facile. Hein. Et puis, avec cette main-là, alors là, on va y revenir tout à l'heure, on est un peu embêté, 7 et 7, 14, 15, 19, on aurait pu avoir 18 aussi, ça ne change pas le raisonnement. On peut dire 200 atouts. Il y a des joueurs qui diraient 200 atouts, on va en reparler après. Avec cette main-là, moi, je vais plutôt dire un pic. Je vais plutôt dire un pic. Un pic, ça ne veut pas dire qu'on est faible, hein. Un je sais pas quoi, un cœur, un pic, hein, un trèfle ou un carreau, un cœur, un pic, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Par contre, c'est une main qui est très 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 large, qui va de 12 à 18 points en gros, d'accord? Voire 19 avec cette main-là, d'accord? Alors, quand est-ce qu'on va dire un pic? Quand est-ce qu'on va dire 200 atouts? Ça, c'est une grosse question.
sur laquelle on va s'arrêter un peu. Est-ce qu'on peut dire 200 atouts avec une majeure annonçable au palier de 1? Ben, c'était le cas, hein. Un trèfle, un cœur, j'ai 4 piques. Est-ce que je peux dire 200 atouts? Est-ce que je dois dire 200 atouts? Est-ce que je dois dire un pique? Il n'y a pas de règle unique. La règle, c'est que ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Alors, on va regarder 4 mains dans les 4 cas. J'ouvre de un trèfle, vous dites un cœur, et c'est à moi qu'a revient ma deuxième enchère. Alors, avec cette main-là, j'ai 4 et 4. À chaque fois, c'est 18, 19. On recompte quand même 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, 17, 19. D'accord? Avec cette main-là, j'ai ouvert de un trèfle, il n'y a pas de problème. Mon partenaire a annoncé les cœurs. Ben là, je n'ai pas de problème pour dire 200 atouts. Malgré ou bien que j'ai 4 cartes à pique. Pourquoi? Parce que ben, j'ai une main qui va bien pour les 100 atouts. Et notamment qui va bien pour recevoir une entame à carreau. D'accord? Avec As-Roi va être carreau, si l'adversaire entame carreau, moi ça me va très bien. Si l'adversaire entame pique, ça me va très bien aussi d'ailleurs. Hein? Donc avec cette main-là, pas de problème, je vais dire 200 atouts. Avec cette main-là, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 ou 19 points, ça ne change pas le raisonnement. Là c'est complètement différent. Je n'ai que 2 petits carreaux. Est-ce que j'ai envie de recevoir l'entame? D'accord? Supposons que vous ayez 7, 8 points, d'accord? Main régulière, pas de fuite à pique, d'accord, 7-8 points, ben, je pense que souvent, ça sera mieux que ce soit vous qui receviez en dame, parce que vous avez un roi, parce que vous avez dame 10, parce que vous avez des choses à protéger, d'accord. Alors que moi, je n'ai vraiment pas envie, je n'ai pas intérêt à recevoir l'entame. Avec cette main-là, ou avec cette main-là, il manque des points, j'ai l'impression, hein, oui, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oui. Bon, on va rajouter plein de points à trèfle, hein, pour que ça soit plus cohérent, jusqu'à 18 points. Qu'est-ce qui se passe avec cette main-là? Ben, si j'ai 18 points, hein, c'est pareil, je pense que je vais pouvoir dire 200 atouts. J'ai un arrêt carreau qui est plutôt correct. Et enfin, avec celle-ci, 4 et 4, 8, et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points d'honneur. Pour rappeler, on en a parlé souvent ensemble, ou avec les uns ou les autres, peut-être pas tout le monde, mais... Quand j'ai As petit dans une couleur, je n'ai pas forcément intérêt à recevoir l'entame. C'est souvent mieux que ce soit mon partenaire qui la reçoive. Si par exemple il a Dame 3ème, d'accord, ça sera souvent mieux que ce soit lui qui reçoive l'entame. Donc je n'ai pas forcément envie. Donc avec cette main-là, je pense que je vais plutôt dire un pic. Donc avec la main 1 et la main 3, je dis 200 atouts. Avec la main 2 et la main 4, je dis un pic. Donc... il n'y a pas de règle absolue en disant est-ce que je dois, peux avoir 4 piques ou pas. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Bien. Quels sont les principaux rebits sur 200 atouts? Un changement de couleur, une répétition de la couleur, une enchère à 100 atouts, le feed de l'ouverture et enfin, dernier cas, faire un relais pour savoir ce qui se passe chez le joueur qui s'appelle le check back stéma. On va regarder un peu tout ça. Alors, j'ai 4 mains. Donc, vous avez ouvert de un trèfle. Non, j'ai ouvert de un trèfle, pardon. Vous avez répondu un cœur. Je dis 200 atouts. Et maintenant, l'enchère vous revient avec ces mains-là. Avec celle-ci. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez cette main-là. Vous avez dit un cœur, c'est normal. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Ben, 300 atouts. D'accord? Fuite à 100 atouts. Vous n'avez pas d'autre enchère possible. On va jouer 300 atouts. Rien d'autre. N'est envisageable. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points d'honneur. Vous rappelez que moi j'en ai 18, 19. Donc en nous, à nous deux, on en a 32, 33. Ah, il y a peut-être bien un chelem. Il y a peut-être bien un chelem. À quelle couleur? Ben, sans atout, on n'est pas fité cœur. Alors peut-être que le chelem il a trèfle. On ne sait pas, mais vu qu'on a une main régulière, 4, 3, 3, 3, je ne vois pas bien pourquoi on irait jouer les trèfles plutôt que les sans atout. D'accord? Donc là en l'occurrence, on va faire une proposition, on va dire, ben tiens, si tu es minimum, on s'arrête à la manche, et si tu es plus, on va demander le chelem. Comment ça se demande? Ça, on a déjà parlé aussi. Le 4 sans atout quantitatif. D'accord? Donc avec ça, je dirais 4 sans atout. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qu'est-ce que je dirais avec cette main-là? Déjà, on est fité cœur. On est fité cœur parce que vous avez 6 cœurs. Moi, j'en ai au moins 2 puisque j'ai une main régulière. J'en ai 2 ou 3 en l'occurrence. Donc, on est fité cœur, doit pouvoir jouer un chelem à cœur sans doute. Hein, sans doute un chelem à cœur. Donc, avec cette main-là, sur 200 atouts, vous allez dire 3 cœurs.
Et puis avec cette main-ci, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 7 points d'honneur, un peu plus avec les points de distribution, mais il n'y a pas une montagne. On pense que le bon contrat, c'est la manche à cœur, puisqu'on est là aussi, on est fité, donc on va dire 4 cœurs. Donc avec la main 1, 3 sans atout, 4 sans atout quantitatif, 3 cœurs en chair de chelem et 4 cœurs en chair de conclusion. On regarde d'autres exemples. Alors, un trèfle, un pic. Cette fois-ci, vous avez dit un pic, 3, 4, 5, 6. 6 et 18, 19, ça devrait être suffisant pour demander 3 sans atout. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et bien c'est pareil, on est toujours dans le cas, on est toujours dans le cas du quantitatif, je pense. Avec cette main-là, 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14 points d'honneur, le point de machin, les bidules, là on a une bombe. Là on va pouvoir annoncer la deuxième couleur, en l'occurrence les cœurs, en disant 3 cœurs, un trèfle, un pic, 2 sans atout, un trèfle, un cœur, un pic, 2 sans atout, 3 cœurs chez vous, ça promet le bicolore 5-5 dans une main de chelem. Et enfin avec cette main-ci, 4, 5, 6, 7, 7 et mes 18 ou 19 points, on a de quoi faire la manche mais pas plus, on est sûr d'être fité, moi j'ai une main régulière, sauf exception où j'ai fait des fantaisies, mais sinon j'ai toujours au moins 3 piques ou au moins 3 cœurs avec vous, donc avec cette main-là, vous allez pouvoir annoncer 4 cœurs. Alors, avec la main 10 passe, alors 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, avec 14, ouais, je n'avais pas fait bien attention à mes 10. N'oublions pas les 10. Les 10 sont des cartes très très intéressantes qui valent beaucoup plus que les 2. D'accord ? Donc il faut les valoriser aussi. Donc avec cette main-là, j'ai 14 points qui valent 15 points. D'accord ? Je dis 6 sans atout. Avec cette main-là, donc 3 cœurs qui promet donc le bicolore 5-5 dans une main de chelem. Et ici, je dis 4 cœurs qui promet la main 5-5 dans une main limite. Donc c'est non forcing. Alors, on continue d'autres exemples. Un cœur, un pic, 2 sans atout toujours. Vous avez cette main-là, vous avez répondu un pic. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez 13 points, 13, 14, 15, 14 à peu près. Vous avez à peu près 14 points. Vous pouviez, non, 13 points, pardon, 13 points. Vous ne pouviez pas annoncer 4 cœurs directement. Vous étiez trop beau, donc vous avez commencé par faire un changement de couleur à un pic. Sur 2 sans atout, qu'est-ce que vous dites? 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que vous pensez au chelem? A priori, on n'a pas le chelem, on a deux mains régulières, donc il n'y a pas de singleton, il n'y a pas de coupe, etc. On a un fit 8e, pas plus, d'accord? Pas de chelem, donc on va s'arrêter à la manche. Ici, la 5 et 5, 10, 11, 12, 13, 14. 14 en face d'une main de 18-19, là on va proposer le chelem en disant 3 cœurs sur 2 sans atout. Ici avec cette main-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là on a une bombe, on va par exemple faire un split, plein de possibilités, mais enfin on a une bombe, on ne va surtout pas faire une enchère faible. Et enfin avec cette main-là, 2 et 2, 4 et 1, 5, qu'est-ce qu'on va dire sur 2 sans atout? Je vous laisse réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'on va dire avec cette dernière main sur 2 sans atout, sur un cœur, vous avez dit un pic, tout à fait normal. Maintenant, je dis 2 sans atout, à vous l'enchère. Pas facile, ben, on va passer avec cette main. On va passer parce qu'il n'y a rien à dire. Hein. On regarde ça dans le détail. Avec la main 1, je dis 4 cœurs, on s'arrête là. Avec la main 2, je dis 3 cœurs, les enchères restent ouvertes. Avec la main 3, je dis aussi 3 cœurs, qui est une enchère de proposition de chelem. Là, il y a 9 chances sur 10 qu'on arrive au grand chelem. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il ne faut pas grand-chose pour le grand chelem. Hein. Il y a beaucoup plus de chances de gagner le grand chelem que le petit chelem. 5, 6, 7, 8, 9. Alors maintenant, est-ce qu'on le jouera à cœur ou à sans atout? Bah, vu que là, semble-t-on, peut-être que ça sera mieux à cœur, mais je suis quasiment sûr qu'on va arriver à 7 cœurs. Et puis enfin, donc, effectivement, avec cette main-là, 5 points sans intérêt, d'accord, 110, 109, etc., on ne fait pas d'effort. 5 et 18, ça fait 23. 5 et 19, ça fait 24. Ce n'est pas assez pour la manche. On passe sur 200 à touche. Je ne suis même pas sûr que mon partenaire va gagner.
Donc là, on a vu les réponses les plus classiques, on va dire. Maintenant, on va voir les réponses, les deuxièmes enchères du répondant. Relais, donc ce fameux check-back Stéman. Ça sert à quoi? Ça sert à trouver un fit troisième dans la couleur répondue. J'ai ouvert de un trèfle, vous dites un cœur, je dis 200 atouts. Vous aviez 5 cœurs. Vous avez envie de savoir si je suis fité. J'ai 2 ou 3 cœurs avec vous. Donc ça permet de régler ce cœur-là. Puis l'autre cas qui peut être intéressant, c'est retrouver un fit dans l'autre majeur. Quand vous avez répondu un cœur, ou un pic d'ailleurs, hein, vous pouvez très bien avoir 4 cartes dans l'autre majeur. Hein, si vous avez 4 cœurs et 4 piques, un trèfle, vous dites un cœur. Si vous avez 5 piques et 4 cœurs, un trèfle, vous dites un pic. Dans les deux cas, on peut encore avoir le fit dans l'autre majeur. Voilà, c'est ce à quoi va servir ce relais, check back Stéman, pour trouver ce complément dans la main de l'ouvreur. Alors, on va regarder cette première situation. Donc, j'ai ouvert de un carreau, vous avez dit un cœur, j'ai dit 200 atouts. Vous avez cette main-là, 3, 4, 5, 6, 7. On est dans la zone de manche, ni plus ni moins, d'accord? Eh bien, vous avez envie de savoir si j'ai 3 cartes à cœur. Si j'ai 3 cartes à cœur, ça sera sans doute bien de jouer 4 cœurs plutôt que 3 sans atouts. D'accord? Notamment parce que vous êtes un petit peu peur d'être trèfle. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et 18, 33, on est sûr d'être au petit chelem. Mais est-ce qu'on va jouer à cœur ou à sans atout? Peut-être bien que ça sera mieux de jouer à cœur. Ici, 4 et 3, 7, vous avez 7 points, vous avez logiquement répondu à cœur. Je vous rappelle que quand je dis 2 sans atout, on a vu tout à l'heure, je peux très bien avoir 4 cartes à pique dans certains cas. D'accord? Donc ici, on va aussi s'intéresser, hein, on va faire le relais, le fameux relais, pour savoir si j'ai 4 cartes à pique. Et dans cette main-là, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on va jouer un chelem. Pareil, est-ce qu'on va le jouer à sans atout ou à pique? Ben, ça va dépendre de la présence ou de l'absence de 4 cartes à pique chez moi. D'accord? Donc, avec les mains 1 et 2, c'est pour savoir si j'ai 3 cartes à cœur. Les mains 3 et 4, c'est pour savoir si j'ai 4 cartes à pique. Dans les deux cas, c'est dans les 4 cas, en fait, c'est pour trouver le bon contrat. Si oui, si on répond oui à ces questions, ben tant mieux, on jouera dans cette couleur-là. Sinon, on jouera les sans-atouts. Alors, il se fait dans quelle couleur ce relais, hein? Donc, 3 trèfles après l'ouverture de 1 carreau. 1 carreau, 1 cœur, 2 sans-atouts, 3 trèfles. J'utilise l'autre mineur. 1 trèfle, 1 pique, 2 sans-atouts, 3 carreaux, l'autre mineur. L'autre mineur après une ouverture mineure. Et enfin, dernier cas, 1 cœur, 1 pique. Là, il n'y a pas l'autre mineur, il n'y a qu'une mineure, donc ça se fait à 3 trèfles. D'accord? Donc le check back Stéman se fait dans l'autre mineur, dans le cas d'une ouverture mineure, et se fait à 3 trèfles dans le cas de la séquence 1 cœur, 1 pique, 2 sans atout. D'accord? Alors, cette enchère, comme toutes les enchères, sur le 2 sans atout, après un 1 sur 1. 1 trèfle, 1 cœur, 2 sans atout. Bon, si vous passez, vous n'avez pas grand-chose. Très bien. Mais si vous parlez, c'est forcing de manche. Avec une main faible, vous ne pouvez pas dire « j'ai une main faible, j'aurais bien qu'on s'arrête à 3 ». Non, ça n'existe pas. Toutes les enchères sur 200 atouts à saut sont forcing de manche. Donc, comme toutes ces enchères-là, le check-back Stéman est forcing de manche. Et quand on dit forcing de manche, c'est illimité. On peut avoir 20 points, 21 points, 22 points. D'accord? Quand vous faites ce check-back Stéman. Alors, on va regarder. Alors oui, un petit commentaire. Il y a plusieurs variantes, plusieurs façons de traiter le check-back Stéman. Moi, j'en connais au moins 3 ou 4 que je joue avec des partenaires ou d'autres partenaires. Celle que je vous propose, à mon avis, c'est à la fois la plus simple. Je pense que elle est beaucoup pratiquée. Et ce n'est pas exactement celle du CEF. Alors, si vraiment vous voulez jouer CEF, relisez le CEF et vous verrez que c'est un tout petit peu différent. Moi, je vous propose un truc qui est assez facile à mémoriser et qui couvre tous les cas. Bien. Alors, la question, c'est qu'est-ce que l'ouvreur, hein, qui avait fait son saut à 200 atouts, va répondre à la question, hein? Quand on dit relais, un relais, c'est une question. Le 2 trèfle Stéman, c'est une question. 2 carreaux, c'est une question. 2 carreaux d'ouverture,
Est-ce que tu as des as? C'est une question. Là, c'est pareil, le check back Snellman, c'est une question. Est-ce que tu as ou pas les majeurs ou la majeure avec moi? D'accord? Question. Après une réponse majeure, l'ouvreur décale, déclare en priorité 3 dans l'autre majeur avec 4 cartes. En priorité, je l'ai réécrit ici, ça c'est la première chose à faire. Sinon, 3 dans la majeure répondu avec 3 cartes. Sinon, il dit 3, ça a tout avec ni l'un ni l'autre. Alors on regarde. Un carreau, un cœur, 2 sans atout, check back Snellman dans l'autre mineur, 3 trèfles. Si ici on dit 3 piques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 4 piques. Est-ce qu'il peut avoir 3 cœurs lui? L'ouvreur, ben oui. Il peut très bien avoir 4 piques et 3 cœurs. D'accord? C'est pas du tout impossible. Mais il annonce en priorité sa majeure. Prenons un autre cas. Un carreau, un cœur, un 2 sans atout, 3 trèfles, donc le même début de coup. 3 cœurs chez l'ouvreur. Il a 3 cartes à cœur, mais en priorité, il aurait répondu 3 piques avec 4 piques. Il n'a pas 4 piques, il a donc 3 cœurs sans 4 piques. Et enfin, dernier cas, il dit 3 sans atout l'ouvreur. Il n'a pas 4 piques, il n'a pas 3 cœurs. D'accord? Donc, on se rappelle que le check back Snellman, c'est une question. Et quand on répond aux questions, il faut bien se mettre d'accord comment on répond à ces questions. Et donc, l'ordre, c'est l'autre majeur en priorité. Sinon, la majeure répondue, ici les cœurs, comme dans cette situation, sinon on dit 3 sans atout. Donc ici, quand il dit 3 piques, il a 4 piques et il a 2 ou 3 cœurs, on ne sait pas. Ici, il a 3 cœurs forcément, 3 cœurs, pas 4, il l'aurait dit plus vite, pas 2 parce qu'il ne serait pas vidé, donc il a exactement 3 cœurs, il n'a pas 4 piques, sinon il aurait fait les piques d'abord, et ici, ni 4 piques, ni 3 cœurs. Voilà. Alors, remarque, après une ouverture mineure et la redemande à 2 sans atout, 3 dans le mineur par le répondant exprime le fit et un espoir de chelem. Vous voyez ici, je n'ai pas dit 3 trèfles, je n'ai pas fait un carreau, un cœur, 2 sans atout, 3 trèfles, ou ici, je n'ai pas fait un trèfle, un pique, 2 sans atout, 3 carreaux. 3 carreaux ici ou 3 trèfles ici. L'autre mineur, ça serait un check back Snellman. Quand je fit la couleur de l'ouvreur, ça veut dire que je suis fité avec lui et que j'ai, dans bien des cas, un espoir de chelem. Un espoir de chelem. Ce n'est pas un relais. On a bien dit tout à l'heure, sur 200 atouts, tout en chair est forcing de manche. Alors, on va faire ensemble quelques exercices. On va regarder ça doucement. Vous notez sur un petit bout de papier et on aura les solutions juste après, les corrigés juste après. Alors, vous ouvrez de un carreau. Avec les mains qui sont affichées ici, je réponds un cœur et maintenant c'est à vous la deuxième enchère, votre deuxième enchère. Donc vous avez ouvert de un carreau cette main-là. Qu'est-ce que vous dites en deuxième enchère après ma réponse de un cœur? Je vous laisse réfléchir. Vous notez les 5 réponses. Si ça va un peu trop vite, ben vous arrêtez la vidéo. Vous prenez bien le temps d'écrire tout ça sur les 5 premiers cas. Sur les 5 premiers cas, vous notez tout ça tranquillement. Je vous laisse faire un petit peu. N'hésitez pas à arrêter la vidéo. Réfléchissez à tout ce qu'on s'est dit. Si vous voulez arrêter la vidéo, remettez le début de la vidéo pour revoir les différents cas. N'hésitez pas à le faire. Voilà, je regarde une autre série de 5 mains. Cette fois-ci, vous avez ouvert de un carreau, un cœur, 2 sans atout. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces 5 cas? Donc, c'est le cas 6, 7, 8, 9 et 10. On est d'accord? Ah non, pardon, on a changé de cas, vous avez vu. Un carreau, un cœur. J'ai dit 2 sans atout. Et c'est à vous l'enchère. Hein? Donc, j'avais ouvert de un carreau. Vous aviez répondu un cœur avec les mains qui sont affichées. Oui, ça semble cohérent. J'ai dit 2 sans atout, et là, c'est à vous la deuxième enchère, après votre première enchère de 1 cœur. Bon, ça, c'est les mains 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous laisse réfléchir tranquillement. Vous arrêtez la vidéo si nécessaire. Je passe à la suite. Cette fois-ci, vous aviez répondu
un pic sur moins un carreau, je redemande 200 atouts et vous avez une nouvelle enchère à produire sur mon 200 atouts. Et là, vous avez les cas de 11 à 15. De 11 à 15. Je vous laisse réfléchir tranquillement. Vous prenez le temps. Voilà. Vous arrêtez la vidéo. Je passe à la quatrième série avec quatre propositions. Donc, cette fois-ci, c'est la réponse au check back Stemann, d'accord. On est bien dans une situation de check back Stemann, l'autre mineur, d'accord. Ça, c'est la main de l'ouvreur sur le 3 trèfle. Qu'est-ce qu'il dit? Les quatre cas qui sont les derniers cas que l'on va étudier. Bien. On regarde les réponses maintenant. On regarde les réponses. Alors, les réponses. Avec cette première main, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Très simple. 200 atouts, c'est le cas de base, le cas le plus simple. La main suivante, attention au défi des cœurs. On n'a pas le droit de dire 200 atouts quand on est fit et cœur. 200 atouts dénie le fit. Donc là, il faut que je dise le fit conventionnellement. 300 atouts ou 4 cœurs, hein, sont les deux façons d'annoncer la main. 4, T4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Soit vous dites 300 atouts, soit 4 cœurs, c'est à peu près la même main. Il y a des points de détail, un tout petit détail, éventuellement vérifié sur le CEF, mais vraiment c'est mineur. Dans les deux cas, c'est un fit quatrième. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, tout va bien. J'ai envie de dire 200 atouts, sauf que je n'ai que deux petits trèfles dans une couleur qui n'a pas été annoncée. Si vous-même, vous avez quelque chose à protéger à trèfle, il vaut mieux que ce soit vous qui soyez déclarant. Donc, je préfère dire un pic. Vous allez me dire, oui, mais un pic, ce n'est pas forcing. C'est vrai, ce n'est pas forcing. Si vous passez sur un pic, à mon avis, il n'y a pas de contrat de manche. Il n'y a pas de contrat de manche. Hein, donc, je n'ai pas de risque à dire un pic. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 points, c'est ça? À 200 atouts, on n'a pas de problème. J'ai 4 cartes à pic, mais je n'ai pas peur des trèfles. Donc, ça me va très bien de recevoir l'entame de mon côté. Si vous avez 4 pics, ce n'est pas foutu. Vous aurez la possibilité de faire un check-back Stemann pour retrouver les pics. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Et puis enfin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19. Alors là, je dis 200 atouts. Bien sûr, j'ai rien à pic, on est d'accord. Hein? Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre que 200 atouts? Là, je ne peux pas dire, je vais pas dire 2 trèfles. Je ne vais pas dire 2 trèfles. Je ne vais pas dire 3 trèfles. Tout ça, ça ne va pas. C'est des mains irrégulières. Ce seraient des mains irrégulières. Donc je dis 200 atouts, Inch'Allah, on verra bien ce qui se passe. Espérons qu'à pic, on n'ait pas trop de problèmes. On continue. Vous avez, cette fois-ci, vous dit un cœur sur moins un carreau. J'ai demandé 200 atouts et donc l'enchère vous revient. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points d'honneur. Sans grosse plus-value, il n'y a pas de 10, il n'y a pas de 9. Je n'ai pas 4 cœurs, donc on ne va pas jouer les cœurs, on ne va pas jouer non plus les carreaux, on n'est pas fité à carreaux. J'en ai peut-être 5, vous en avez 2. Vous allez faire 400 atouts quantitatifs. On va jouer 400 atouts ou 600 atouts, peut-être même 6 trèfles. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, vous allez faire un check-back Stemann. Pourquoi faire? Non pas pour trouver les cœurs, puisque je vous ai dit que je n'avais pas 4 cœurs, mais pour éventuellement retrouver les pics. Quand j'ai dit 200 atouts, je pouvais très bien avoir 4 cartes à pic. Check back Stemann pour les pics. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 points d'honneur si on est fuité, mais enfin, même le point de longueur, enfin une bombe. D'accord? On va jouer un schlem, c'est sûr. Mais où? Est-ce qu'on va jouer à cœur, à pic ou à sans atouts? Ben, si j'ai 3 cartes à cœur, on va jouer à cœur, ça sera sans doute le plus intéressant. Si j'ai 4 cartes à pic,
On va jouer à pique et puis sinon on jouera à 6 sans atout. D'accord? Donc check back Stéman pour savoir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 points d'honneur. Un très beau fit à carreau. J'ai combien de carreaux moi dans cette séquence là, à votre avis? Un carreau passe un cœur, 2 sans atout. Un carreau, un cœur, 2 sans atout. J'ai au moins 4 carreaux. Je ne peux pas avoir 3 carreaux. Quand est-ce qu'on a 3 carreaux seulement à l'ouverture d'un carreau? Quand on a 4 cœurs, 4 piques. Quand je vous ai dénié les 4 cœurs, ben j'ai forcément 4 carreaux. On est 9e à carreaux. On peut compter les points d'honneur, de longueur, de courte, etc. Enfin, c'est magnifique, d'accord? Donc on va sûrement jouer un chelem, soit à carreaux, soit à sans atout. On verra. Et cette main-ci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh là là, là encore une bombe. Là, je vais dire 3 cœurs, ça veut dire j'ai 6 cartes à cœur. Et je pense au chelem. Encore deux situations, je crois, enfin deux pages de situation. 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sur un carreau avec les 5 piques et 4 cœurs, vous avez logiquement répondu un pique. Je dis 2 sans atout. Check back Stéman dans l'autre mineur pour jouer soit à pique, soit à cœur. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va jouer là aussi, soit à pique, soit à sans atout, selon le fit ou pas que j'ai avec vous dans les piques. 6 et 6, 12, 13, 14, 15. Encore, mais décidément, il n'y a que des bombes. Ça va exploser tôt ou tard, hein. Que des bombes. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici? Qu'est-ce que je vais dire ici? Ben, je vais annoncer ma deuxième couleur. 3 cœurs, 2 sans atout, 3 cœurs. On se rappelle que c'est une main 5-5. 5-5, d'accord? 3 cœurs. Une main de chelem 5-5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une main régulière. Je n'ai pas de fuite avec vous. Eh ben, on va dire que 4 sans atout, c'est une proposition, donc c'est quantitatif, non forcing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est fité au moins 8e à carreau pour les mêmes raisons que tout à l'heure. On va jouer soit 6 carreaux, soit 6 sans atout. Et la dernière série, vous avez fait un check-back Stéman, et donc on va s'intéresser cette fois-ci à mon enchère. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, j'avais bien mes enchères. Quand vous me dites 3 trèfles, c'est est-ce que tu as 4 piques ou est-ce que tu as 3 cœurs? J'ai 4 piques, je l'annonce, 3 piques. Ici, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. J'ai 3 cartes à cœur avec toi, je n'ai pas 4 piques, je te dis 3 cœurs. J'ai 3 cartes à cœur avec toi. Je ne sais pas si c'est ce qui t'intéresse, j'en sais rien, mais je te le dis, j'ai 3 cartes à cœur, je réponds à ta question. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 points d'honneur. Est-ce que j'ai 4 piques? Non, j'ai pas 4 piques, non. Est-ce que j'ai 3 cœurs? Non plus. Eh bien, je reviens à 3 sans atout. J'ai pas 4 piques, j'ai pas 3 cœurs. Et enfin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il manque un petit point, a priori. Bon, imaginons soit le 20 carreau en plus. Sur le relais à 3 trèfles, je dis priorité à la majeure, j'annonce 3 piques. Même si j'ai 3 cœurs, qu'importe, je dis 3 piques. D'accord? Si ce n'est pas ce que vous vouliez, imaginons que vous ayez 5 cœurs et 3 piques. Hein, vous voyez ce genre de main. Hein, vous avez, je vais juste la dessiner là, rapidement. Là, je dessine vite une main. Si vous avez à cœur, à pique, le 4 et le 2. À cœur, vous avez 5 cœurs. Roi, 8, 7, 6, 2. À carreau, vous avez l'as 3e. Et à trèfle, vous avez 8, 7, 6. 4 et 3, 7. Ça s'est passé comment avec cette main-là? Votre partenaire a ouvert, par exemple, de un carreau. Vous avez répondu, bien sûr, un cœur, hein, avec vos 5 cartes à cœur. Il dit 2 sans atout. Vous avez envie de savoir si votre partenaire a 3 cartes à cœur. Qu'est-ce que vous dites? Check back Stéman, 3 trèfles. Ça va? Et là, il vous répond 3 piques. Qu'est-ce que ça veut dire 3 piques? Il a 4 cartes à pique.
On ne sait pas s'il a 3 cartes à cœur. On n'en sait rien. Mais là, qu'est-ce que vous dites? C'est pas compliqué. Vous dites 3 sans atout. Et qu'est-ce qu'il va se dire, votre partenaire? Il va se dire, il m'a posé une question. Il n'est pas bien content de savoir que j'ai 3 piques, que j'ai 4 piques. Donc, ce n'est pas les piques qu'il voulait. Mais forcément, ça veut dire qu'il voulait les cœurs. Sinon, il n'y a pas de raison de faire un check backstayman. Donc, l'ouvreur, s'il avait 4 piques et 3 cœurs, ben, c'est pas trop tard pour dire 4 cœurs. Vous voyez? Donc, faut pas s'inquiéter ici hein, de dire 3 piques. Le partenaire, il est assez grand pour revenir à 4 cœurs, pour comprendre que ce qui vous intéressait, c'était la présence de 4 cartes à cœur chez lui. Bien, j'efface tout ça. C'est bon, ça rentre, hein, ça va. Bon, pas très facile, mais bon. Alors, je vous rappelle que ça, c'est un check backstayman. Donc, méfiez-vous, on n'a pas tous exactement le même check backstayman. Hein. Donc, méfiez-vous quand vous jouez avec un partenaire occasionnel. Voilà, je crois qu'on a à peu près fini. Bah oui, hein. Alors, ouais, on va... Un petit commentaire, t'as trouvé ça facile, toi? Ben oui, vous appelez votre partenaire, ouais, parce que quand même, lui, en fait, pas trop, donc, pas, ben non, pas trop facile, non, ben effectivement, mais oui, c'est ça, faut, hein, faut réfléchir, faut tout ça. Bon, allez, je suis sûr que, petit à petit, les choses se mettent en place. Allez, on se retrouve bientôt à une table de bridge, hein. Allez, à bientôt.